Bien, il est temps de remonter à bord. M'attend dans le sas de mon vaisseau, parce que se rendre au sas de votre vaisseau sur Vos, ça me dit rien qui vaille. Et quand il n'y a rien qui vaille, il n'y a rien qui vaille. Oh là là. Ah. C'est la voix de l'empereur. Je viens payer pour ce que j'ai pris. Le savoir est un avertissement. Le cœur noir est la prison de Selmacor. J'existe pour empêcher sa fuite. Grâce à vous, je sais comment me débarrasser de Selmacor à jamais. En quoi est-ce que ça me concerne? Vous avez senti le pouvoir de Selmacor. Dans son domaine, il n'a pas d'égal. Il pourrait piéger même votre empereur. S'il se libérait, son pouvoir s'étendrait. Rien ne pourrait l'arrêter. Vous avez aidé. Je vous confie ce secret. Restez sur vos gardes. L'un des vôtres prévoit de vous trahir. Après tout ce que j'ai traversé, je garde toujours les yeux bien ouverts. Tout le monde dort. Vos vous invite à partir. Eh ben, on va partir. C'est parti. On va monter à bord et on va se tirer d'ici, mais le plus vite possible. J'ai terminé ma mission sur Vos. La voix de l'empereur a été libérée. Oui, on a retrouvé la voix. On s'occupe des préparatifs pour trouver un nouvel hôte. Mais les rituels prennent du temps. Vous avez fait du bon travail, Fury. L'empereur est ravi. Mais le temps n'arrête jamais son cours. Les événements s'enchaînent vite. Grâce à l'aide du bataillon Armageddon, Dark Voron s'est imposé dans la bataille de Corellia. À présent, tout dépend de la survie de Voron. Barras ne deviendra pas la voix de l'empereur, à moins que Voron ne meure. Rien n'aurait plus d'importance si on éliminait Barras. Pour l'instant, il est intouchable. Mais Voron peut vous permettre de l'atteindre. Barras a condamné Dark Voron à mort. Des assassins ont été envoyés. Leur mission doit se solder par un échec. On va se renseigner. On vous donnera plus de détails à votre arrivée sur Corellia. Excellence, je crains que nous ne puissions pas aller sur Corellia pour l'instant. L'Empire a déclaré une loi martiale, instaurant le blocus de tout le système. Donnez-moi les détails pour qu'on puisse trouver un moyen de le contourner. Les vaisseaux impériaux ont été équipés de transpondeurs spéciaux. Les vaisseaux qui n'ont pas cet émetteur se font repérer comme le nez au milieu de la figure. Je n'ai rien entendu au sujet de cette mesure. Je surveille les communications de Barras, lieutenant. L'ordre n'a été donné que récemment, sans doute pour nous éloigner de Corellia. Sans émetteur de signal nous permettant de circuler dans l'espace corélien, on se fera repérer dès qu'on entrera dans le système. Mais j'ai peut-être une solution. C'est ce que je préfère chez vous, Quinn. Vous êtes plein de ressources. C'est un travail très gratifiant. J'ai intercepté une transmission autorisant un vaisseau de classe A pas très loin de nous à entrer dans le système corélien. Le hasard fait bien les choses. C'est vrai, on peut aborder ce vaisseau et prendre son émetteur. Ils ne s'en sépareront pas facilement. On va devoir essuyer le feu de leurs armes. Beaucoup d'impériaux vont mourir. C'est dans l'intérêt du plus grand nombre, lieutenant. Ça ne sera pas facile. L'équipage de ce vaisseau est très expérimenté. Je connais les plans des vaisseaux de classe A par cœur.
Je pourrais vous accompagner à bord et vous conduire directement au transpondeur. Ce n'est qu'une suggestion, mais ça nous ferait gagner du temps. Que me veut ce cher Malavai? Voyons voir. Pendant le voyage vers Corellia. Capitaine, vous avez du nouveau? Comment s'est déroulé votre entretien avec le haut commandement? Pas très bien, Excellence. Je suis remonté le plus haut possible dans la hiérarchie. Personne ne veut affronter le Moff Broisk. Il est trop puissant et trop bien établi. Il servira jusqu'à ce qu'il se fasse tuer ou qu'il démissionne. Mais il ne démissionnera jamais. Ça me semble clair. Je dois me charger de Broisk en personne. Une bonne fois pour toutes. Heureuse de savoir que vous êtes prêt à faire le nécessaire. À vous de jouer, Quinn. Finissez-en. Je suis prêt, Excellence. Excellence, je suis de retour. J'ai trouvé le Moff Broisk sur un bateau. Il prenait du bon temps pendant que d'innombrables batailles étaient en cours. Ignoble. Je l'ai enlevé et emmené ici pour vous le faire rencontrer. Ordure, traîtresse! Vous cite! Je réquisitionne votre vaisseau et votre équipage! Je vous réquisitionne! Vous êtes à moi maintenant! Pour une surprise, c'est une surprise. Vous voyez qui vous a surpassé? L'homme que vous avez traité injustement vous a maîtrisé. Non! Jamais! Impossible! Je l'ai évité! Je l'ai envoyé en exil! Il devait dépérir! Vous êtes à moi maintenant! Je vous commande tous! Mourez! Mourez! J'ai parlé! Excellence, j'ai résisté jusqu'à présent, mais j'en ai fait une affaire personnelle. Permission d'exécuter le Moff? De toute façon, c'était à vous de le tuer. À vos ordres. Vous ne pouvez pas me tuer. Vous n'êtes rien. Je suis un Moff. Plus maintenant. Non ! Ordures ! Vous êtes tous des ordures ! Il est malade, lui. Nous nous sommes débarrassés du corps, Excellence. Plus aucun homme du Moff Broisk n'aura à subir ses caprices et son incompétence. Il serait temps, hein. Merci de m'avoir fait confiance. L'Empire y a gagné au change. C'est aussi ce que je pense. Veillez à respecter la notice des produits. Portez-vous bien.
Bon, ben... Voici à bord du vaisseau, ça va être chaud, je le sens. Excellence, je regrette que nos chemins doivent se séparer. Par respect pour vous, je voulais être ici pour assister à votre destin. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Quel destin, Quinn? De quoi parlez-vous? Ça me chagrine, mais tout ce scénario n'est qu'une ruse. Il n'y a ni loi martiale, ni émetteur spécial. Comment? Barras est mon véritable maître. Il m'a demandé de vous attirer ici pour vous tuer. C'est une blague? Je croyais que notre relation était sincère. Je croyais qu'on tenait l'un à l'autre. Je ne voulais pas choisir entre vous deux. Mais il m'a forcé la main et je dois me ranger de son côté. Une fois que vous serez morte, votre équipe devra rejoindre Barras avec moi ou mourir. Vous savez pour qui je travaille maintenant, capitaine. En vous rangeant du côté de Barras, vous vous opposez à l'empereur lui-même. L'empereur est un propriétaire absentéiste. Barras fait ce que n'importe quel bon patriote aurait fait. J'ai passé beaucoup de temps à vous observer au combat, ce qui m'a permis de faire une liste exhaustive de vos points forts et de vos points faibles. Ces droïdes de guerre ont été programmés dans l'unique but de vous affronter. Je dirais que le risque d'échec est proche de nous. Vous faites trop confiance au pourcentage. C'est votre plus grande faiblesse. Tout ce que je risque, c'est de sous-estimer les chances de mes droïdes. Vous verrez que vous ne pouvez rien contre eux. Je regrette qu'on en soit arrivé là, Excellence. Mon cul aussi, c'est du poulet. Je pensais avoir programmé la machine à tuer parfaite. J'avais tout calculé. Mais oui. Après tout le temps qu'on a passé ensemble, vous n'avez pas compris que je suis imbattable. Je ne comprends pas. Je vous ai trahi. J'ai conspiré avec votre ennemi juré. Je sais que ça ne sert à rien de vous dire à quel point je regrette. Je n'espère pas votre pitié. Je comprends votre confusion. Barras peut se montrer très convaincant. Je vous pardonne, Quinn. Excellence, je vous suis infiniment reconnaissant. Dark Barras ne ferait jamais preuve d'une telle clémence. Si vous m'autorisez à rester à vos côtés, vous n'aurez plus jamais à douter de mon dévouement. Vous n'aurez qu'à vous faire pardonner en privé, capitaine. Ça peut s'arranger, Excellence. Cette interruption vous a suffisamment retardé. J'ai hâte de rejoindre le vaisseau et d'oublier tout ça. Le vaisseau est par là. Préparez-vous à partir. Je vous rejoins tout de suite. Bien sûr, Excellence. Une dernière chose, Excellence. Avez-vous l'intention de dire aux autres ce qu'il s'est passé? Ne vous inquiétez pas. Ça restera entre vous et moi, Quinn. Je vous remercie, Excellence. Je vous revois au vaisseau. Eh ben... Je suis trop bonne. Dans tous les sens du terme.